Hello les filles, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo haul Kiko parce que je vous avais promis de revenir avec un petit haul. Donc je vous montre ça tout de suite. En premier, je suis allée à Kiko parce que à Rouen j'ai la chance d'avoir un Kiko. Et la semaine d'après j'ai commandé sur site internet parce qu'il fallait absolument que je reprenne des choses. Donc en premier j'ai pris deux rouges à lèvres de la collection qui est comme ça, un peu comme les Luscious Cream, sauf que le packaging est rose au lieu d'être couleur chrome. Donc voilà. Donc j'ai pris le 710 qui est comme ça. Donc qui est plus dans les violines un peu, attends, plutôt rose. Rose mauve, je sais pas comment dire, un mauve bois de rose assez foncé qui est très très sympa, je trouve très 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 joli, une bonne opacité, j'aime beaucoup. Donc c'est le 710 si ça vous intéresse. Et j'ai pris le 713, voilà, alors qui est lui aussi beaucoup plus large et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est la rose fuchsia, mais vraiment fuchsia avec un petit peu des reflets un peu bleutés, très 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 joli. Donc je le mets à côté, très crémeux, voilà, voilà, très 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 joli et j'aime beaucoup 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 ce rouge à lèvres. J'ai hâte de le mettre, c'était... Ensuite, je me suis pris le numéro 87 de la collection qui est comme ça. J'en ai aucun d'ailleurs. Et celui-là est vraiment très 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 joli. Hop, il est comme ça. Hop. C'est vraiment un rouge assez foncé, mais très 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 portable. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà les trois rouges que j'ai acquis. Donc ceux-là, ils étaient à 1,50€ sur le site internet et les autres à 5€, donc ça valait vachement le coup. Ensuite, j'ai pris quelques vernis, quelques... Ouais, pas mal quand même. Donc j'ai pris deux Sugar Matte, c'est la nouvelle collection qu'ils ont lancée chez Kiko, donc ceux qui ont un effet granulé sur les ongles. Donc vous en avez des mats sans paillettes et d'autres qui sont très pailletés et j'aime beaucoup beaucoup ce rendu. Donc j'ai pris en premier le 645 qui est un joli, je sais pas comment expliquer, un petit peu burgundy, très orangé, cuivré, voilà un petit peu dans ces couleurs là, qui est très 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 sympa, voilà. Je l'ai déjà mis plusieurs fois sur mes ongles et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans la même lignée, mais dans une autre couleur, vous avez le 646 qui est un noir avec des paillettes argentées. Voilà. Très sympa. Donc, ce sont des vernis qui sèchent assez rapidement sur les ongles. Et ils s'enlèvent sans trop de drame, je trouve. Surtout avec mon bain dissolvant, je trouve que ça enlève parfaitement. Mais bien sûr, je mets une base. Donc, il n'y a pas de secret. Si vous mettez une base, ça partira plus facilement. Donc, comme je vous le disais, dans les Sugar Matte, il y a des vernis sans paillettes. Donc, j'en ai pris un, le 638, qui est un marron clair, marron glacé, je dirais. Je me rappelle un peu un de chez Mavala. Donc, il est très, très, très joli. Très 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 sympa. Donc c'est le 638 qui a aussi ce côté granuleux sans paillettes. Très sympa. Alors en premier j'ai pris le 425 qui est un doré clair très joli. Voilà qui est comme ça. Ensuite vous aviez le 422 qui est plus un menthe. Couleur menthe, très joli, très très parfait je dirais, même pour l'été. Je l'ai mis sur les doigts et je l'ai enlevé tout de suite après parce que j'aime pas le rendu, ce que ça fait sur mes doigts. Peut-être que je trouve un peu trop flash pour la saison qui est très froide. Mais sur les pieds je trouve qu'il sera parfait, 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 parfait. Mais peut-être que je changerai d'avis, que je mettrai sur mes doigts, mais il est vraiment très très flash. Conforme
à ce qu'il y a sur le flacon. Il est vraiment très 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 sympa. Je vous le recommande très chaudement. Ensuite, vous avez un de mes préférés qui est le 420, qui est un... comment dire? Il y en a qui le voient fuchsia. Moi, je dirais un peu plus un rouge. Ouais, fuchsia rouge. C'est un peu bizarre de décrire les couleurs chez Kiko. Mais c'est un joli, une jolie couleur tout simplement, que j'aime beaucoup. C'est le 420. Voilà. Et pour finir, je me suis pris le 424, qui est un bleu avec des reflets rosés, qui est très 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 sympa et que j'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Donc, quand j'ai passé commande sur le site internet, donc bien sûr, je pense qu'on l'a tout fait, hein, j'ai créé une autre adresse pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuitement parce que je ne vais pas payer 5 euros en plus. Déjà qu'il faut atteindre les 25 euros pour pouvoir commander. Ça passe de commentaires. Je me suis dit que j'allais commander les poudres Soft Light Powder. Déjà, dans mes commentaires, il y a une de mes abonnées qui m'a dit, tu sais Audrey, Kiko, ils ont enfin sorti des poudres à notre carnation, à notre teinte. Et donc, si tu passes à Kiko, va voir ce que ça donne, etc. Ça peut être pas mal. Donc je me suis dit, chouette, il y a moins 20%. Les poudres, elles sont pas cher, mais bon, c'est pas mal d'avoir une réduction. De toute façon, quand on goûte aux réductions Kiko, on préfère toujours avoir des réductions. C'est toujours bon à gagner. Et quand je suis partie en boutique, il n'y avait pas du tout les nouvelles teintes. Donc, je comprenais pas. J'ai demandé à des conseillères, on se demande ce qu'elles foutent là-bas. Elles savent même pas les arrivages, elles connaissent rien. Ils connaissent rien, rien du tout. Donc, ah bah non, non, j'ai pas entendu parler. Peut-être que ça va arriver la semaine prochaine. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je me suis dit, j'ai pas le temps avec le boulot, je vais peut-être envoyer une copine là-bas. Mais je prends quand même mes avances avant de l'envoyer là-bas, d'appeler la boutique. La boutique me dit, ah non, non, non. En plus, je l'entends dire, est-ce qu'on a la teinte, nanana? T'es genre, tu sais pas ce que t'as dans ton petit Kiko. Sachant que chez moi, c'est vraiment un tout petit Kiko, quoi. Laisse tomber, quoi. Elle me dit non, 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 c'est tout ce qu'on a comme référence, on n'a jamais eu ces teintes. Je lui dis bah oui, c'est normal, elles viennent de sortir. Elle ne sait pas quoi me répondre. Elle me dit on a une livraison qui arrive jeudi, donc peut-être qu'il y a ça là-dedans, donc tu ne sais pas si tu livres surtout. Et arrivé jeudi, bah apparemment ils l'ont pas. Bah non, c'est tout ce qu'on a comme référence. Donc je trouve ça un petit peu aberrant de sortir des nouvelles teintes et qu'elles ne soient pas toutes disponibles en magasin, mais qu'elles soient disponibles sur Internet. Donc, ça m'a un peu gavé. Donc, voilà, j'ai commandé sur Internet. D'autant plus que c'est difficile de commander avec les teintes de Kiko sur Internet. Et je suis tombée carrément dans le panneau. Je suis dégoûtée, mais d'un côté, c'est pas si grave que ça. Je vous explique. Les Soft Light Powder, il y a 6 teintes. Et la teinte, la dernière, c'est Terracotta, je sais pas quoi, mais elle paraissait très foncée. En sachant que je ne suis pas vraiment très foncée de peau, je me suis dit non, ne prends l'avant-dernière par sécurité. Dans tous les cas, elle sera plus claire que la dernière terracotta. Je me suis dit, Audrey, prends l'avant-dernière. Je prends l'avant-dernière, qui est normalement ma teinte, et je me retrouve avec ça. Oui, je me retrouve avec ça. J'étais vraiment dégoûtée, mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, je vous montre de plus près. Donc là, vous me dites, mais c'est pas si clair que ça. Mais c'est clair quand même. C'est clair quand même. C'est clair quand même. Donc, je me dis, bon, j'appelle la boutique. Peut-être qu'ils ont reçu les teintes et que je vais pouvoir changer en boutique parce que ça sert à rien d'appeler le service client. Je ne veux pas payer les frais de port pour envoyer une poudre, etc. C'est ridicule, ridicule de faire ça. Non, on n'a pas les teintes, on les recevra pas. Non, non, non. Ok, d'accord. Donc je me retrouve avec une poudre comme ça, claire.
Je me dis, je vais pas la swatcher parce que ça se trouve, je vais la renvoyer, je sais pas quoi faire avec. Et puis, je me dis, tant pis, Audrey. Swatch, on verra bien. Je swatch, parce que vraiment, je la trouve pas si claire que ça. Elle est un peu marron clair, un peu caramel, mais vraiment un caramel clair hein, quand même, hein, faut pas exagérer, hein. Voilà. Donc, je la swatch, je me dis, ah oui, c'est blanc, quoi. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Et je la mets sur moi. Et en fait, je la trouve translucide, en fait. Je me dis, ah, finalement, ça fait pas d'effet blanchâtre. Il n'y a pas de voile blanc. Finalement, peut-être que ça pourrait aller. Donc, je l'ai mis sur moi, là, juste le bras. Mais vous ne la voyez pas, pas du tout. Je la porte également sur mon visage. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Vous me direz en commentaire. Mais je la trouve pas si claire que ça. En sachant que je la mets par simonie, donc vraiment très très à petite touche. Parce que sinon, si j'y vais à grand coup de poudre, je suis sûre que je vais avoir des voiles blancs qui vont ressortir. Ça va pas du tout le faire. Donc pour l'instant, je la garde. Mais je sais pas, peut-être que je la donnerai à une copine ou je la vendrai par la suite. Voilà, donc j'ai demandé à une amie sur Lyon de me les prendre parce qu'à Lyon, à Confluence, ils ont toutes les teintes. Je comprends pas pourquoi à Rouen, ils ont pas toutes les teintes. Va savoir. Mais bon, voilà, c'est les mauvaises expériences de Kiko sur Internet. Mais je peux vous assurer, quand vous voyez le visuel, vous dites, ah, mais ça, c'est ma teinte. Mais non, en fait, pas du tout. Passons outre. Je me suis pris un concealer, parce qu'ils ont également sorti les concealers dans notre teinte. Alléluia, encore. Et sur le site internet, les concealers, parce qu'ils étaient en promo. Bon, j'ai commandé le dimanche soir ou le samedi soir, etc. Je sais plus. Et ils étaient en promo, donc j'en ai profité, parce que j'ai entendu beaucoup, 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 beaucoup de bruit sur ces concealers. Donc j'ai pris la teinte numéro 7. Donc ça va. Donc le 7, il est comme ça. Apparemment, c'est des dupes de ceux de chez MAC. On verra bien. De toute façon, en ce moment, j'ai celui de MAC qui est vraiment très très bien. On verra bien. J'ai utilisé qu'une fois et pour l'instant, c'est top. Je le poudre avec ma poudre impalpable de chez Bobbi Brown. Donc, c'est top. Voilà. Donc, je le garde en réserve pour quand j'aurai fini mon MAC. Et puis voilà, parce que je n'ai pas entamé tous les concealers, hein. J'en ai déjà deux entamés, ça suffit. Mais je suis contente de l'avoir eu en promo, comme ça me permettra de le tester à moindre prix. Je suis allée chez Tati parce que je voulais voir s'il y avait les dentifrices Crest. Parce que j'ai entendu beaucoup d'échos qu'il y avait ces produits dans Tati, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, peut-être à Rouen même, mais pas chez moi à côté quoi. Mais j'ai trouvé un démaquillant yeux doux de chez Bourjois. Comme vous savez, j'aime beaucoup, beaucoup la marque Bourjois. C'est ma marque favorite. Hein. Enfin, ma marque. En termes de soins, j'aime beaucoup la marque Bourjois. J'ai pas testé leur rouge à lèvres ou quelque chose. Mais en soins, à moindre coût, disponible en supermarché, c'est ma marque favorite. Et j'ai trouvé ce petit démaquillant yeux que j'ai payé 2 euros et des bananes. Et il est vraiment très 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 bien. Je dirais même qu'il est mieux que celui de... Que le démasque... Démaquis ou démaquis de Jemais. Je sais plus combien. C'est quoi le nom. Mais il est mieux. J'ai les yeux assez sensibles. Mais vraiment très 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 sensibles. Et celui-là, c'est comme une eau démaquillante. Et ça rafraîchit l'œil. Ça le démaquille en douceur. Il est vraiment très très doux. Et je l'aime beaucoup. C'est marqué testé sur les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Il est vraiment très très bien. Il n'agresse pas vos yeux. Il est extra. Et pour finir, je me suis acheté un petit bouquin grâce à ma copine Audrey. Pas une autre Audrey d'un blog que je vous mettrai juste en bas. Qui m'a montré une photo via SMS. Qu'elle me disait oui, il a l'air trop bien ce livre, etc. Et le titre m'a interpellée et quand je suis partie à Leclerc, je sais qu'il y a un coin de librairie et je me suis dit, je pense qu'il y sera là-bas. Et je l'ai trouvé. Donc ce livre, et vous en avez un petit peu beaucoup parlé sur Facebook, sur ma page Facebook, c'est ce petit livre, La femme parfaite est une connasse. Donc le titre fait beaucoup parler, très rigolo et j'ai commencé à le lire, il est vraiment
Pas mal du tout, je pense que je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Donc c'est un guide de survie, enfin un guide de survie pour les femmes normales que nous sommes. Parce que des fois, on se met beaucoup de choses sur les épaules. Comme quoi on n'est pas parfaite, on n'est pas à la hauteur, etc. Et surtout et n'importe quoi du quotidien d'une femme. Et ce livre est rempli d'humour. Et ça vous déculpabilise de tout notre train-train de femme, de tout ce qui peut nous arriver. Et il est vraiment très très bien. Donc c'est marqué, ce livre est un guide d'usage de la femme imparfaite. Imparfaite, cette femme que nous sommes toutes, une femme normale avec des défauts, ses travers, ses névroses, si si un peu de névrose. C'est marqué, pourtant on fait tellement d'efforts, tellement de sacrifices, d'heures passées à être la meilleure, et bien notre erreur a voulu être parfaite. Sachez-le, la femme parfaite est une connasse. Donc il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits trucs dedans, comme des règles. Comment dire? J'essaie un petit peu de regarder pour vous. Il y a règle numéro 5. On ne portera jamais de manteau blanc. Vous rigolez, même en portant du noir, on arrive à dégueulasser les manches. Donc c'est très rigolo, je trouve. Il y a aussi comment garder sa dignité quand on est complètement bourré. Il y a plein de trucs, c'est vraiment très très drôle. Si vous avez un petit coup de cafard, vous regardez ce livre et vous êtes comblé. Je peux pas venir. Vous avez plein de petits trucs de prétexte. Comme je peux pas venir vendredi, c'est la finale de Secret Story. Je pense qu'on a été nombreuses à dire ces mots. Voilà, il y a plein de petits trucs. Il est vraiment très très bien. J'ai commencé à le lire et c'est top, c'est top, c'est top. Faut. Vraiment top. Donc voilà, donc les filles, c'est tout pour moi pour ce petit haul. Je reviendrai sûrement avec un haul Mac. Ouais, mon premier haul Mac. Pas vraiment premier haul Mac parce que je vous avais déjà montré des achats, mais vraiment petit craquage haul Mac, je dirais même. Je suis pas fière. Et notamment, j'ai craqué aussi pour les fards Makeup Geek. J'ai hâte de les recevoir. Et voilà quoi. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais plein de bisous les filles, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très bonne semaine et je vous dis à très vite, bye bye.